Good morning, allez, Yiden et Tusra aujourd'hui le Mishmat Amram ben Sulika, Shalom ben Chibiba, Chaya Esther bat Miriam, Etrak Perez ben Fortuna et Chamichel ben Sultana. Si vous souhaitez vous citer une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Shabbat Perek 16, Mishnah Dalet, Perek 16, Mishnah Dalet, ou le Sham ou Motsi, Kol Kle Tashmisho, Velovesh Kol Mashe Achol Lil Bosh, Veotef Kol Mashe Achol Ala Atof, Rabbi Yossi Omer Shmona Asar Kilim, Vechoser Velovesh ou Motsi, Vomer Lachrim, Bou, Vehatsilou, Imi. On est en train de parler, bien sûr, dans toutes ces Mishnayot, depuis le début du Perek 16, de comment réagir, quoi faire, comment sauver ces biens lorsqu'il y a un incendie. On avait appris que de manière générale, il y a un interdit de prendre toutes ces affaires, de les sortir dehors, parce que de peur qu'il va se mettre à éteindre le feu. On a appris dans la Mishnah précédente, dans les deux Mishnayot précédentes, combien de nourriture il pourra sauver, 3 repas. Et toutefois, tout ce qui est dans un grand sac, il avait le droit de tout prendre. La Mishnah précédente se finissait en me disant où il a le droit de sortir les choses. On avait pris une marloquette essentielle, que selon Tanakama, il pouvait sortir les choses, prendre les choses et les transporter uniquement dans une cour qui est Me'orevet, qui est dans le même Eruv. Il n'a pas le droit de les sortir dans la rue, même si c'est un lieu intermédiaire, un carmélite, il n'aura pas le droit de les sortir là-bas. Mais que dans une cour, et dans une cour où on a fait un bon Eruv, tandis que Ben Betera nous avait dit, on n'est pas obligé de faire, même s'il n'y a pas de Eruv, il pourra sauver ses biens, les apporter là-bas. À présent, dans notre Mishnah, on va parler de combien d'habits pourra-t-il sauver. Et la Mishnah me dit, Ulsham Motsi Kol Kle Tashmisho. Et là-bas, donc, dans sa cour, soit où il a fait un Eruv, soit il n'a pas fait un Eruv, selon Ben Betera ou Chachamim, il pourra, Motsi Kol Kle Tashmisho, il pourra faire sortir tous ses ustensiles. C'est-à-dire, en réalité, on parle, Bartan Randi, chez Srikhimlo, les auto-ayom, les ustensiles qu'il a besoin pour manger dans cette même journée. Tu as besoin de chaises, vous êtes 10 personnes dans la famille, tu prends 10 chaises. Tu as besoin d'une table, tu prends une table. Et comme ça, il pourra faire sortir tous les couverts aussi, mais pas au-delà. D'accord? Et aussi, Velovesh, Kolmash et Cholil Bosch, et aussi, on lui donne une autre permission, c'est de sauver par exemple, par contre, tous ses armoires à habits, mais attention. Mais attention, il devra tous les porter. C'est-à-dire, pendant qu'il y a l'incendie, il s'amuse à mettre les pantalons et les chemises. Apparemment, je déduis de Tanakama que Kol Macher Cholil Bosch, tout ce qu'il veut, même s'il pourra même mettre 3 chemises s'il veut. Et il les met toutes, après il sort, il les enlève, une fois qu'il arrive là-bas, il les enlève, et après il revient chez lui, il continue à s'habiller. D'accord? Kol Macher Cholil Bosch. Le principe c'est le même. À partir du moment où, regardez le principe, il est simple. On a peur que machinalement tu vas éteindre le feu. Donc je te demande que tu fasses quoi? Que tu mettes une certaine barrière, une certaine distance, que tu ne te laisses pas dans l'entrain, dans l'enthousiasme et dans le stress même, éteindre le feu. Donc du coup, je te mets une barrière, tu dois mettre tes habits. Donc quand tu vas maintenant t'occuper à t'habiller, tu vas te mettre à mettre tous tes vêtements, tu ne risques pas machinalement de t'oublier et d'éteindre le feu, puisque tu n'es pas du tout en train de sauver tes vêtements, tu es en train d'habiller. D'accord? Veotev Kolmash et Acholatov, donc on l'a dit, tu mets tous les vêtements que tu peux mettre, et tu peux aussi t'envelopper de tous les vêtements, tout ce que tu peux t'envelopper, je ne sais pas ce que ça inclut. Est-ce que l'on doit prendre des draps et de se couvrir avec des draps? Je ne sais pas, est-ce que ça implique ça? Je ne sais pas sinon, qu'est-ce que c'est venu rajouter? Parce que fait Otef Kol Machin Cholatov, il s'enveloppe de tout ce qui peut s'envelopper, vraiment tout. Ou des vêtements qui sont prévus pour s'envelopper avec, dans ce cas-là, ça redeviendra être des vêtements tout simplement. Je ne sais pas. Et personne ne parle de ça. D'accord? Parce que j'ai regardé, quoi, et j'ai vu nulle part. Et je continue. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi nous dit, Shumana Sarkilim, Rabbi aussi, non, tu mets juste 18 vêtements. Et la Gemara, puis le Barthénora, nous dit exactement comment c'est les 18 vêtements. J'ai un peu de mal à tout comprendre, parce que c'est, il fallait voir comment il s'habille à l'époque. C'est-à-dire, vous comptez les deux chaussettes, en fait, qui montaient en feu jusqu'en haut. Ça couvrait, ça faisait office de pantalon. Il y avait, à part ça, bien sûr, les dessous. Il y avait, à part ça, une première tunique qui était en guise de tricot. Il y avait une tunique supplémentaire, qui était plus l'équivalent de la chemise, avec son talit katan, bien évidemment. Il y avait un ceinture, apparemment, je crois qu'il y avait même 2 ceintures, si je ne me trompe pas. Et comme ça, il nous fait le décompte. Ah, il mettait même aussi des sortes de chaussettes dans les mains, en fait. C'était des gants, mais qui couvraient les manches. C'était pas des manches qui descendaient du vêtement, c'était des manches qui venaient de l'extérieur. Et ainsi de suite, il met le chapeau. Alors dans le chapeau, il y a la kippa, il y a le chapeau, il y a en plus de ça la petite écharpe, et comme ça, 18 vêtements. Et la Mishnah me dit encore, Vechoser Velovesh Omotsi. Et une fois qu'il sort dehors, il se déshabille, enlève tout, en caleçon. Et il re-rentre de nouveau dans la maison et il recommence les 18 vêtements. Si on parle d'après Rabbi aussi, ou même ça peut même aussi d'après Rami aussi, on lui donne aussi la permission, on s'est discuté, est-ce que Rami sont d'accord ou pas d'accord? Est-ce que c'est juste Rabbi aussi qui a donné cette solution? En tout cas, c'est écrit dans la Mishnah, il re-rentre, une fois qu'il a vidé les vêtements, il revient, il se rhabille.
Et il refait, il réitère le procédé. Vomer la cherim, bohu, veatzilu, imi. Et il pourra aussi dire, inviter les autres, les voisins, en leur disant, venez vous aussi participer comme moi, m'aider. Il pourra inviter les autres à venir sauver avec lui le vêtement, en procédant toujours selon le même système, de les mettre, et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selah.